Bonjour à tous, c'est bientôt Noël. On va retrouver Adeline, responsable de cet événement Noël à l'Aquarium Périgord Noir. Venez avec moi. Bonjour Adeline. Bonjour Fabrice. Alors, ça fait longtemps que l'Aquarium existe et c'est la première fois? Oui, ça fait 34 ans que l'Aquarium existe et c'est la première fois qu'on fêtera Noël. Qu'est-ce qu'on peut en dire à tous nos amis qui nous regardent? Mais justement, on va aller voir notre équipe d'animation pour voir ce qui se passe. On va voir l'équipe d'animation, venez avec nous. Bonjour Lucille. Bonjour Fabrice. Alors, c'est ici qu'on accueille nos visiteurs? Exactement, c'est ici qu'on accueille nos visiteurs. Donc pour chaque visiteur, une chasse de Noël sera donc donnée à réaliser dans la partie eau douce de l'aquarium ainsi que dans la partie reptile. Se passe-t-il autre chose à l'accueil? Alors oui, nous proposons aussi une photo festive familiale à retirer gratuitement à la fin de votre visite. On continue? Lucille, derrière nous, c'est donc la salle où se passent d'habitude nos animations. Qu'est-ce qui est prévu pour Noël? Alors pour Noël, il est prévu donc deux concours. Le premier concours sera le dessin du plus beau sapin de Noël et le deuxième sera la plus belle boule de Noël. Quels cadeaux vont gagner nos enfants? Alors un tirage au sort sera effectué tous les jours et les gagnants seront annoncés sur nos réseaux sociaux. Peut-être un événement pour les tout-petits, il faut en parler, je crois que c'est ce qu'ils attendent. Alors oui, effectivement, pour les tout-petits, donc du 17 au 24 décembre, vous aurez la présence du Père Noël de 11h à 15h afin de pouvoir leur remettre des cadeaux. Alors Marsha, quand on arrive ici en boutique souvenirs, en général, nos visiteurs, c'est la fin de visite. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants avoir un carnet d'aventure Noël et le crayon de couleur, également un cadeau Noël surprise. Génial, on s'arrête là pour Noël? Je vous invite à voir Chef Thomas. C'est vrai, il se passe quelque chose en cuisine. Venez avec nous voir Chef Thomas. Chef Thomas, il y a des spécialités pour Noël? Oui, on a fait des spécialités pour Noël. Toutes faites maison? Tout est fait maison. On commence par quoi? Un burger de Noël, sa sauce de Noël et ses oignons caramélisés. Un velouté de Noël, châtaigne, champignons et truffes. Le traditionnel vin chaud à la cannelle. C'est vrai, Chef Thomas, qu'à chaque événement, on fait de mieux en mieux avec cette crêpe exceptionnelle. C'est une magnifique et ravissante crêpe de Noël avec son chocolat et sa chantilly. Je viens juste en après-midi, je veux juste une boisson chaude. Et là, Fabrice, vous avez le chocolat chaud avec la guimauve et la chantilly. Et la gaufre de Noël qui est la nouveauté. Adeline, c'est incroyable ce qui se passe ici. Oui, c'est une visite inédite, donc plein de cadeaux à gagner entre le 17 et le 31 décembre. On revient sur tout ce qui se passe au niveau gastronomie chez nous, c'est quand même à... tomber. C'est à tomber, venez, n'hésitez pas. Comment dire au revoir à tous nos amis? En Père Noël, bien sûr.